Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de l'épisode de Fallout 4. Donc, nous voilà dans le complexe, soi-disant, de Covenant. Hey Dan. Salut Dan. Devant. Je vous suis. Hey Dan. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, nom de Dieu? Je peux pas t'adresser la parole, c'est chiant. Alors. Bonjour. C'est pas parce que Jacob vous envoie que vous pouvez accéder au complexe. Pourquoi je devrais vous laisser entrer? Les menacer. D'une façon ou d'une autre, j'entrerai. Au moins, avec la méthode douce, vous vous en sortirez en vie. D'accord. Comme vous voudrez. Je vais vous conduire au Dr Chambers. Elle décidera de ce qu'on doit faire de vous. N'essayez pas de jouer au plus malin. Je ne le répéterai pas. J'aurais gagné, tu sais. Clé du complexe. Détectée. On va quand même essayer. Si je peux la voir. Je l'ai. Merci. J'aurais pu le voler lui, remarque. Oui, c'est vrai. Blight! Hey, Blight! Il les torture. Ils sont malades. J'attends votre signal. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Manny? Je croyais que vous en aviez fini avec le sujet 12. Ah oui, on a fini de l'interroger. Je revoyais juste les données de la quatrième question. C'est vraiment fascinant. Ouais, j'imagine. Certainement. Bienvenue au complexe. Après tout, il me laisse rentrer, il me laisse piller. Pourquoi je m'emmerderais? Hop. Salut. Des dossiers. Et c'est marrant, on n'a pas encore vu de la bouffe dans le coin. Blit. Rien sur lui d'impressionnant. Ok, on y va. Porte enchaînée. C'est bloqué de l'autre côté. Intéressant. Ok, bonjour. Garde du complexe. Par où souhaites-tu aller? Vous ne devriez pas être par là. Bah c'est pas par là que je vais. Il va quand même pas me tirer dessus sous prétexte que je fouille. Par contre, voir les PNJ sprinter, c'est un peu naze. Ok, pourquoi pas, continuons. Salut. Nope. Attends, attends, il y a un passage par là. Il y a une porte. Hop. Cartouche. Couteau de combat, je pourrais peut-être le prendre, tiens. On va voir ce que ça donne une fois que je l'améliore. Rien de véritablement intéressant. Si ce n'est une batte de baseball. Ok. J'ai potentiellement rien à faire ici. Je prends ton casque, hein, tu permets. Ok. Ok. Terminal de bureau utilisé.
La dernière question. Ça vous paraît dingue, mais sommes-nous vraiment obligés de poser la dernière question? Sans la restriction qui impose le choix multiple, les réponses sont sans doute plus variées et la réaction psychologique sera donc différente. N'avons pu considérer qu'une amélioration situe dans la marge d'erreur. Nous aurions peut-être envisagé quelque chose de radical, d'accord? Fausse piste. Question 4, toujours. Je crois que la question 4 est une fausse piste. On n'a pas de monopole de la détection des synthétiques. Dans le Commonwealth, les gens démasquent fréquemment les infiltrés grâce à leurs erreurs de comportement et de mémoire. Montgomery. Chambers doit bien se rendre compte que la perte de Montgomery est une erreur. Moi, je m'en fous si Covenant manque d'assistance médicale. Ce qui nous restreint, ce n'est pas le flux de cobayes qui passe par Covenant, mais c'est notre taux d'acquisition de tests négatifs et notre plage de recherche. Montgomery est beaucoup plus important en la matière que de faire des bilans de santé. Vous pourriez parler à Chambers. D'accord. Intéressant, je suppose. Boîte à outils déverrouillée novice. Hop. Génial. Sujet 12 débriefing. Non, il y en a des sujets 12, sujet 12, sujet 12. Hein. C'est Manny ça, non? Ouais, c'est Manny. On y va, je te suis. Tu te demandes pas comment j'ai fait pour te dépasser? Pas du tout, hein, pas le moins du monde. Bienvenue au complexe. Merci. Remarque, ils sont polis. Oh, et on tourne, tourne, tourne. Permets que je t'éclaire, peut-être. Si ça peut t'aider. Pour voir, aucun étranger n'était jamais entré ici. Non, je peux pas la fouiller par derrière et la désactiver. On y va, Manny, je te suis. Manny, la mélancolie. Vous ne devriez pas être là. Oh, pardon. Je t'en prie, vas-y, passe. Ok. Salut. Salut. Ok. En cas de pépin, je pourrais m'enfuir. Salut. Alors, allons-y. La voilà. Synthétique, clairement. C'est donc vous qui enquêtez sur la caravane de Stockton? Oui, c'est moi. Vous savez qu'il y a de fortes chances pour que sa prétendue fille soit une synthétique. Mais qu'importe, je n'irai pas par quatre chemins. Cette discussion ne peut se finir que de deux façons. Par un accord ou par un bain de sang. Sa fille est une synthétique. La fille de Stockton est une synthétique. Pour quelle autre raison aurions-nous attaqué la caravane? Il y a plus de 70% de chances qu'elle soit une synthétique. Pour m'en assurer, il faudrait que je pratique une autopsie. Laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si votre famille avait été massacrée sous vos yeux par un synthétique alors que vous étiez encore enfant? Vous seriez du genre à vous écraser et à accepter ça? Ou vous prendriez les choses en main? Excellente question. Plus de détails. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était à Diamond City. Il y a bien longtemps. Quelqu'un a massacré mes parents et 8 autres personnes. Au début, on pensait que le coupable était humain. D'accord. Mais c'est aussi le jour où nous avons appris l'existence de la dernière création de l'Institut. Les synthétiques. Tant que l'Institut peut s'infiltrer parmi nous, il peut frapper quand ça lui chante et nous contrôler sans jamais sortir de l'ombre. J'ai consacré ma vie à la création d'un test permettant de démasquer les synthétiques. C'est intéressant. Pour les débusquer et les exterminer. N'est-ce pas un objectif qui en vaut la peine? On ne peut pas savoir de quoi l'Institut est vraiment responsable. Et comment fait-il pour nous tenir dans l'ignorance? Il n'existe pas encore de test médical permettant de distinguer un synthétique vivant
d'un être humain. Mais il est possible un détecteur de métaux. Différence d'un point de vue psychologique. C'est là que le test sécurité le GOAT en jeu. N'est qu'en phase préliminaire, mais grâce à nos sacrifices et à notre persévérance, notre taux de réussite augmente. Sceptique. Ça pourrait être utile. Si vous arrivez à créer un test fiable, ça pourrait changer la donne. Et tout ce que nous avons fait pour y parvenir serait justifié. Oula, Covenant non. Covenant est bien des choses. Un refuge pour les gens brisés, victimes des ravages de l'Institut. Un endroit sûr où penser ses plaies. Mais surtout, c'est notre seule chance d'en finir avec ces temps de paranoïa. Faisons un marché. Si vous me laissez éliminer la synthétique de Stockton et poursuivre mes recherches, je vous offre une somme équivalente. C'est pas l'argent qui va me motiver là. Elle est bien bonne celle-là. Pas question. Heureusement que je ne m'adressais pas à vous. Si vous prenez le parti de ces dingues, on va avoir un sérieux problème, vous et moi. Du genre mortel. Ne tuez pas la fille. Épargnez-la. Impossible. La probabilité qu'elle soit un agent de l'Institut est bien trop élevée. Même si ce n'est qu'une malheureuse victime de cette guerre, l'épargner pourrait tout compromettre. C'est une menace, Dan ? J'ai mon propre code d'honneur. Mon portefeuille en souffre souvent, mais ça m'aide à dormir tranquille. Covenant est un refuge ? J'ai mon propre code d'honneur. Covenant est un refuge ? J'ai mon propre code d'honneur. Quoi ? Mon portefeuille en souffre souvent, mais ça m'aide à dormir tranquille. J'ai accepté ce contrat, et je vais le mener à bien. Même si ça m'oblige à vous tuer. Hop. Ça doit être sûr. Soit je peux refuser sa proposition. Pas question. Je refuse. Dans ce cas, il va falloir me tuer. Vous n'auriez pas dû venir ici. Ah, puis elle y va, Jean Franco en plus. Il faut protéger les missions. What the fuck? Ah non, c'est le chien. J'ai besoin d'aide. C'était le chien. Il nous attendait. On a dû déclencher un genre de détruit. Ah bah désolé. Au secours. Venez m'aider. Mais qu'est-ce que... Putain, j'aurais aimé lui parler avant. Ne me faites pas de mal. Bon sang. Où vous vous cachez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes, je me... Comment en avoir la certitude? Je vous en prie. Vous devez me croire. Je suis humaine, tout comme vous. Ah bah vu les yeux que tu te tapes. Le vieux Stockton, il vous récompensera. Laissez-moi partir. Ah! Égout. Je veux voir. Continuez votre travail alors. J'aurais préféré une autre réponse. Et boum! Voilà. Déplaisant. D'abord, réglons un petit détail. De toute façon, je l'aimais pas de base. Mais je dois avouer que ça ne m'a pas plu. Non. Attention à pas vous. Pas tout de suite. Oula. Merde. Vite. Putain, vite. Je peux pas l'ouvrir, merde. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis sûr que l'autopsie confirmera mon hypothèse. Non. Voilà. Oh la pauvre. Comme promis, maintenant que nous sommes d'accord, vous verrez que Covenant a bien plus à vous offrir. Composante synthétique. Effectivement.
J'ai bien fait de la tuer, là. Il faut éradiquer la menace synthétique. Docteur Chambers, est-ce qu'on peut parler ? Nous avons l'impression que vous vouliez sauver la fille Stockton. Nous nous sommes manifestement trompés. Il faut éradiquer la menace synthétique. Effectivement, effectivement, j'ai eu tort. Je le reconnais. J'espère que vous saurez en tenir rigueur. J'ai eu tort. Bon. Bah selon vous les amis, est-ce que j'aurais dû... Vous pouvez aller où bon vous semble dans le complexe. Ah, ça m'embête. Ça m'embête parce que bon, je suis pas mis en face du problème moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Ça m'embête. Ça m'embête malgré tout. Bon. Scie à os, plateau chirurgical, scalpel. Pourquoi pas. Je voulais pas la tuer. J'aurais préféré ne pas la tuer, je l'avoue. Il faut éradiquer la menace synthétique. On va pas être d'accord sur tout. Vous pouvez aller où bon vous semble dans le complexe. Bah, de toute façon, je pouvais déjà aller où bon me semble dans le complexe. Salut. Salut. Bon, bon, bon. Je m'appelle plus, c'est par où faut que je monte, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Bon. C'est pas ce que j'aurais voulu, je l'avoue. Bon, on a gagné un level malgré tout. Ouais, 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 ouais. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des solutions, ce que j'ai fait. Je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. Des magasins, des postes de travail, ouais, d'accord. Fait tard. Ouais, ouais, ouais. On va mettre un point là-dedans. Crac, comme ça c'est fait. Il faut se dépêcher. Viser les jambes. Les sacs. Ah, je peux... D'accord. C'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai pas été confronté à un problème. C'est-à-dire que le jeu ne m'a pas dit « Oh, regardez comme elle est très sympathique, regardez comme elle est gentille. » C'est, vous savez, le jeu m'a pas mis en face d'un problème où je pouvais m'impliquer... Et là, je sens plus du tout les... Il y a un bug au niveau des radiations, je pense. Il y a des gens qui traînent le long de la côte à toute heure. Non. Ça vaut pas le coup. Il mérite pas, mais il m'a saoulé. Je l'avoue, il m'a saoulé. Là, on a un truc par là. Un bâtiment. Hop. Ouais, je pense pas que j'aurais... Enfin, le jeu m'a pas mis, moi, en face du problème. Un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas là, dans ce truc. Je sais pas ce que c'est. Happy Halloween. Les aventures d'un vendeur de viande séchée de Junkbar. Obtenez de meilleurs prix près des marchands. Bonus permanent. Cool. Un truc qui va pas dans ce machin. Enfin, peut-être que c'était juste ça. Hein. Mais je sens pas, ouais, bizarrement. Vous avez entendu comme moi, il y a eu un bruit, hein. Pas de chance. On a pas de chance. On peut y dormir.
Plateau chirurgical avec du jet. J'angle le singe lunaire, je le prends. C'est la première fois que je le vois, du coup je me dis qu'il a peut-être une utilité. Oh. Voyons voir. Ah bah dis donc. Il est sensible. Voilà. C'est bon. Intéressant. Vous avez vu, je l'avais senti qu'il y avait un truc qui était pas... Oh, c'est juste une pile à... C'est juste une pile à fusion. Je suis vexé. Je l'avoue, je suis vexé. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ah, je suis vexé. Bon, on me dirait c'est pratique. Elles sont pas en nombre illimité normalement sur la map. Sauf pour celles qu'on peut acheter à des prix mirobolants. On dirait que c'est un ancien hôpital psychiatrique. Avancer. Encore ? Parfait ! Ça y est. Bonjour. Et non. Ah ah ! Ça c'est intéressant. De la colle miracle. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? C'est pas la grande forme ? Ça se voit. Ok, ok. Bon, pourquoi pas. Une espèce de bureau. Et il y a le truc central dans lequel je suis pas encore allé. Où il n'y a strictement rien. D'accord. Donc j'imagine que c'était principalement pour le bouquin et pour la source de... De Steam Pack. Coffre, enfin un truc militaire. Tu devrais faire encore plus de bruit, mon cher chien. Mais je connais cet endroit. C'est là où j'ai tué les gens. Bah oui. Ça s'ouvre pas, ça. Bah oui, d'accord, on est retourné à Lexington en fait. Ok. Ok, je suis retourné au début en fait. Ah oui, parce que j'ai fait le tour du lac. Bah oui, je suis con. Bon, bah ça c'est cool en soi. Drive-in. Tiens, il y a une personne qui est arrivée. On va aller voir. On va aller voir. Vous rappelez que j'avais mis une balise. Ah oui, je trouvais que la portée était vachement grande. Mais en fait, non, elle est pas si grande que ça. Ok. Pourquoi pas. Alors, qui c'est que c'est ? Bonjour. Salut, je voulais juste me présenter. Bonjour. Je veux juste faire un échange. Bien sûr. Ah d'accord. Par contre, est-ce que je peux par exemple lui dire... R, non. Envoyer l'habitant à... Attendez, parce que les trucs sont chiants. Madame, bougez pas. Oh putain. Q. Envoyez l'habitant à Sanctuary Hills. Attends. Hop. Voilà. Normalement, je l'ai envoyé là-bas, elle ira là-bas. Bon, je sais pas si elle a un lit pour faire quoi que ce soit. Mais bon, on verra bien le moment venu. Ok. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a en quête encore? Représailles. Rendez-vous à la ferme des Abernathy. Abernathy. Oui, je me rappelle de... Je crois que je me rappelle de...
Je crois que je me rappelle d'eux, effectivement. C'est pas les deux femmes avec leur Brahmine, là? Si, c'est ça. Et ça m'a dit, vous n'avez aucune corrélation avec cette communauté ou un truc comme ça. Ok. Mesdames? Ah merde, elles sont dehors. Bonjour. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Ah bah, Chuck Norris dans le tas. Rien à craindre. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas d'ennuis non plus. Ouais, mais attention, on est armés, alors pas de coups fourrés. Croyez-moi, l'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir. Sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. Promotion pour l'agriculture. C'est dur. C'est du boulot de travailler dans une ferme. C'est pas moi qui vous contredirais. Blake Abernathy, c'est la première fois que vous venez dans le Commonwealth ? En quelque oui, sorte. Oui, et non. C'est une longue histoire. En tout cas, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête. Ah, c'est sympa. Ça vous dit rien de travailler à la terre ? C'est étude. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi, je dois dire. Ah bah moi non plus. Je suis né dedans, c'est tout. Un petit conseil. Si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire aux pillards. Pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein ? Il y a une goule dans le fond, vous avez vu ? Les miliciens peuvent aider. Vous avez pensé aux miliciens ? Si vous vous engagez, on pourra s'entraider contre les pillards. Ah bon ? Je croyais que les miliciens avaient... Il y a une goule dans le fond à gauche. Hein. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Oh merde. Elle avait que 21 ans. Et ils l'ont abattue sans se poser de questions. Vous comprenez pourquoi je suis... What the fuck ? Les miliciens sont de retour. Même si c'est trop tard pour ma Marie. Besoin d'aide ? What ? Là, maintenant. What ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Il est dans la famille de Connie depuis des générations. On vous en serait très reconnaissant si vous pouviez nous le rapporter. Médaillon retrouvé. J'ai éliminé des pillards tout à l'heure. Je pense avoir trouvé le médaillon dont vous parlez. Vraiment ? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Connie ne va pas revenir. Quels que soient leurs besoins, les miliciens peuvent compter sur nous. On a un bon atelier et Connie vous fera toujours des ristournes. Parfait. Ce que vous avez fait. Par contre, il s'est passé quoi, là ? Oh. My. Kamikaze super mutant. Oh my god. Connie Abernathy. Lucie Abernathy. Et je vais aller voir Marie parce que bon, on est quand même enterré derrière la maison. Apparemment, il n'y a personne. Bon, je suis persuadé d'avoir vu une goule là-bas. Qu'elles ont repop. Elles ont juste repop. Alors, what the fuck, le kamikaze qui arrive comme ça, genre, l'air de rien. En plein milieu de la conversation d'ailleurs. J'ai réfléchi à ce qui est arrivé à Marie. Peut-être que je devrais faire quelque chose pour éviter à d'autres familles de souffrir comme nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pourrais m'engager chez les miliciens et les aider à défendre le Commonwealth. Blake m'a dit ce que vous avez fait pour... J'aimerais échanger quelques trucs. Je sais que... Ok. Je vais te laisser tes balles. Que ce n'est pas grand-chose, mais si vous voulez acheter quelque chose, je vous ferai un prix. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ta mère te le pardonnerait jamais. Ok. Ce serait parfait. Voyons voir ce qu'elle a à nous offrir. D'accord, batte de baseball, nanana, cargaison d'engrais, si tu le dis. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, c'est pas grave. Je suis presque une femme maintenant. Ok. Je sais pas si c'est vraiment la vie que je veux. Tu me comprends, hein, papa ? Oui, ma chérie, bien sûr. Mais après... Donc ça, c'est fait. On l'avait déjà faite, plus ou moins. On a retrouvé du jet, je crois pas. Bon, on va aller malgré tout, on va retourner. Ce qui est arrivé à on va retourner à Diamond City. Ça fait longtemps.
Et où est-ce que c'est de base? C'est... C'est là. Hop. Ça fait longtemps. Et on a quelques quêtes à y prendre, apparemment. Hop, et je suis curieux d'aller voir s'ils ont des armes un peu plus exotiques à nous vendre. Aussi. Ah, je suis curieux de voir si je pose, parce que je peux poser normalement une truc de Nuka-Cola. Et je suis curieux de savoir si je pose une Nuka-Cola dedans, est-ce qu'il va me les mettre en affichage? Ça pourrait être intéressant. Yo les gens! D'accord, donc chez le maire, faut monter. Ici, c'est la chapelle. Je suis pas encore allé dans la chapelle. On va rentrer, on va voir. D'accord, résident. Je ne sais pas trop quel dieu je dois prier. Pasteur. C'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage à la chapelle. Vous vous sentez bien, Diamond City? Votre chapelle? C'est votre chapelle, mon père. Tout dépend de votre point de vue. J'imagine qu'il faudrait plutôt dire qu'elle appartient à Dieu. Mais comme je n'ai jamais réussi à déterminer quel dieu, disons que c'est la chapelle de tous les dieux. Si vous cherchez un endroit calme où vous asseoir pour réfléchir à tout ce qui a trait au Tout-Puissant, quel que soit le nom ou l'aspect que vous lui donniez, nous sommes toujours ouverts. D'accord. Merci, pasteur. Merci, mon père. Vous êtes ici, chez vous. On peut chercher plus loin, ça sert à rien. Ok. J'ai cru qu'il avait une truc de poupée, une bobblehead. Mais non. Non, c'est faux. Ok, donc là il y a le bâtiment spécial des gens. Alors c'est vrai? C'est vous qui dirigez les miliciens? Ah merci, c'est gentil, bravo, c'est une belle cause, c'est pas souvent qu'on entend ça. Alors, clé Sertu. Ah, on peut l'améliorer? Non. D'abord je veux voir ce qu'on peut faire. Accroché, ouh, lourd, ouh, perforant, ouh, extra lourd, ouh. Couteau de combat. Vous préférez faire vos emplettes la nuit? Le surplus de Diamond City est ouvert à toute heure. Fusil laser, normalement j'ai un fusil laser, fusil rayon, voilà. Ah bah d'ailleurs, on peut les améliorer maintenant. Ouvert 24 heures sur 24. Ah mais je suis pas chez moi, j'ai rien. Je suis pas chez moi, j'ai rien, ça sert à rien de faire ça ici. Je suis stupide. J'ai zéro ressource. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, peut-être que lui, on peut vendre des choses. Concevables dont vous pourriez avoir besoin sont ici. Troquer. J'ai quelques minutes. Ce qui se fait. Hop. Casque de mineur. Alors, il paraît qu'il est clair. Donc, génial. On le garde. Dans l'éventualité où. Alors, jambière gauche en métal. Ouais, mais du coup, j'ai une moins bonne protection. 5 et 8. Et elle me donne 7. Oh, c'est pas épique non plus. Si je peux mettre des poches, ça peut toujours être utile. Tenue. Et l'autre jambière, elle est où? Jambière droite en métal anti-goule, donc je vais quand même prendre celle-là. Hop, ce qui nous fait plus de poches. Oh, et limite. Que vous êtes ici pour acheter quelque... J'ai quelques minutes. Limite, parfait. La jambière anti-goule, on peut la vendre parce que 15% de dégâts, ça doit pas être épique. En plus, elle se vend à un prix de merde. J'ai du jet, mais je vais le garder pour la mamie, là. Omelette d'œuf de fangeux, je les garde. Œuf de fangeux, je les garde. Ok, j'ai pas plus de choses que ça, en fait. Mon eau purifiée, je la garde, pardon. Je suis désolé. Hop, voilà, déjà ça. T'as une chier de choses, mais j'ai pas tout ce qu'il faut. En fait, on va rentrer directement à Sanctuary. On va plutôt améliorer nos armes. 6, voilà. Et apparemment, enfin, je ne pense pas avoir 6 lits dans... Ah bah si, j'ai 6 lits dans la zone, normalement. On va bien voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois avoir 6 lits tout juste.
Hop. Et on va aller voir ce qu'on peut améliorer comme arme. On va le faire, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ensemble. Et maintenant qu'on a débloqué les trucs des armes laser, ça pourrait être intéressant. Hop. Voilà. Crac. Batte de baseball, il y a tout. Naturel, bleu, gris, aluminium. Ouh. Une amélioration, barbelé, affûté, nanana, à chaîne, à lame. Ouh. Ouh. On va quand même la recycler. Clé serre-tube, on la recycle. Ou tout combat, je le garde, ce qui pourrait être intéressant sur certains domaines. Pistolet laser, fusil à rayon. Fusil laser, fusil de chasse à viseur lumineux. Bon, je vais le virer. Je le vire aussi. Fusil laser, je le vire aussi. Nicolas, celui-là. Inflige des dégâts incendiaires plus importants, meilleure capacité, meilleure portée, capacité en émission. D'accord. Ça peut être intéressant, ça. Ok. Hey, c'est du beau travail. Canon long, canon court amélioré, dégâts améliorés, mais portée réduite. On m'a parlé d'une autre colonie qui aurait des problèmes. Voilà l'endroit. Parce que j'ai vraiment besoin d'un canon long. J'espère que vous pourrez montrer à ces gens qui peuvent à nouveau compter sur l'émission. Complète, c'est parfait. Viseur standard, lunettes courtes, viseur laser, non. Sans bouche, bouge, diviseur de rayon, d'accord. Concentrateur fort. D'accord. Ok. Portée réduite, mais c'est pas épique. Ça peut être intéressant. Hop. Voilà. Donc on a enfin le fusil pulseur qui est entre guillemets utilisable. Place nette. Ah bah voilà, il m'a filé une quête avant en venant et il me l'a donné en discutant comme ça. Fusil pulseur, je vais te mettre en 6. Et on va le sortir histoire de voir quand même quelle gueule il a. Non, 6, j'ai dit. Hop. Ouh. Ouh. Ça peut être intéressant ça. Bon. De ce côté-là, c'est pas trop trop mal. Au niveau des armements, est-ce qu'on a des choses à ranger? Double tape, fusil à rayon. Fusil à rayon, je vais le laisser. Mine capsule, je le laisse. Mafioso, je le garde. Lance-fusée, sniper en devenir, je garde. Hop. Ici, est-ce qu'on a des armures moisies à donner? Casque de mineur, non, je le garde. Tout ça, je garde. Ok. La plupart des gens sont doués pour casser des trucs. Moi. Ok, bon. Eh ben, vous savez quoi? Avant de se laisser, on n'est pas encore prêt de se laisser, mais bon, c'est pour l'expression. On va monter. Hop. On va aller. De là jusqu'au marqueur de quête où faudra buter des pillards. Si je me trompe pas. Pour eux d'ailleurs. Là où on est justement, on va aller buter des pillards pour eux. C'est un point assisté. Et le jour se lève en plus, c'est génial. Ah non, le jour descend, merde. C'est pas pareil. On va quand même... Ah merde, appartient à quelqu'un. J'aurais bien aimé dormir si ça vous dérange pas. Apparemment ça les dérange. Merde. Dégage. Ah, dégage. Y'a pas une chaise? Oh merde. Bon bah on va là hein. Je voulais absolument pas y aller en pleine nuit, bah remarque ça fait des jolis effets de rayon hein.
Hop. On y va. En douceur. Une ambulance qui passe dans la rue. C'est toujours très bon signe tout ça. Enfin, faut dire qu'en fait à cause des travaux, ils mettent toujours la sirène pour passer maintenant. C'est la merde. On doit y être, ça doit être juste devant, non? Ah non, pas encore. C'est quoi cet endroit? Ah ah, y'a pas un lit? Non. Bon, bah on va attendre. Ok, on va attendre 11h, c'est pas grave. En espérant qu'on ne va pas se faire agresser pendant ces 7h, pendant ces 11h, 6h, 5h, 4h, 3h, 2h, 1h. Hop. Génial, et en plus on se tape un orage. Donc, on progresse. En fait, il y a un bouton non, qui le coupe. Il coupe un bouton. D'accord, alors est-ce que je suis curieux de voir si quand on le ressort. Oui, d'accord, il le pousse vraiment le bouton. Génial. Je n'aime pas être aux abords de la ville comme ça. Surtout s'il y a un pont d'ailleurs. Quand on approche, je vais devoir monter en plus. Hop. J'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est faussement vide. Ça fait genre c'est vide, mais ça l'est pas vraiment. J'aime pas ça. Ok. Ouh. Eh ben je l'aime bien cette arme. C'est une tourelle là-bas. Bah oui. Ok. Pour une cible qui me cherche, elle est très immobile. Carabine de combat, je prends. Un lance-missile, c'est intéressant ça. D'accord. Ok, brûle, brûle, brûle. Ça fait des dégâts incendiaires en fait, c'est cool. Ok. Merci. Ok. Oh non. Je suis tombé comme une merde. Ok, donc c'était un piège sûrement ça. Piège pour une personne qui montait, j'imagine, non? Je sais pas. Non, même pas. Bizarre. Alors, je vois des têtes humaines. Humaines ou synthétiques? J'ai cru voir un... Ça semble être humain. Bien qu'il y ait un truc bizarre dessus, en fait. Et je sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient du personnage, potentiellement. Bon, bah, on va rentrer par la grande porte. Allez, c'est parti. Backstreet Apparel. Apparel. Yo, les gens. Elle était bonne, celle-là. T'as d'autres histoires de... Fini de jouer. Là, ça va saigner. Non, je peux y aller, j'ai besoin de tir de soutien. Ça devrait pas être long. Ok. J'ai pas fait du tout ce que je voulais.
il brûle. Là, quand il y avait des fils ici, j'aurais peut-être dû. À couvert. Hein ? Moi, je pourrais faire ça toute la journée. Tu l'as tué. Hop. Bah alors, ça brûle ? Ça chauffe, Marcel. Ah, je m'en doutais. Putain. Ok. Rien de personnel, hein. C'est juste toi et moi. Oh, Kenigou. Tu vas t'en remettre, oui, merde. Pistolet automatique. Naze, naze. Cadavre. Juste pour voir. Marche pas. Ok. Tu sens ça, c'est la peur. Vêtements de fermier, pourquoi pas, ouais. Ok. Clutch. D'accord. Tu vas crever, oui ou merde. Aïe. Lâche-moi. Bim. Hop. Il y a toujours du danger. Toujours en vie. C'est pas vrai. What? Pillard légendaire? Vous l'avez lu comme moi. Déverrouiller avancé. Hop. Priced. Non, c'est pas ça. Rixed. C'est pas ça. Dreams. C'est pas ça. Broken. Non, c'est pas ça. Roving. C'est pas ça. Rocket, c'est pas ça. Hop, on va y arriver. Simmed, non. Wanted, non plus. Models, non plus. Mutant, non. Défaite, non plus. Actual, non plus. Menial, je sais pas ce que ça veut dire. Dapper, je sais pas ce que ça veut dire. Range, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vas me le donner, patrol, non. Dévote, non. Expect, non. Putain, mais c'est pas ça. Hein. Il veut pas. Cold. Ah, cold et deux trucs. Ça y est. Formed, c'était parfait. Commande du coffre-fort. Non, surtout pas. Coffre-fort, il a avancé aussi, c'est génial. Comme ça, je vais faire double XP. Aïe. Voilà, parfait. Génial. Ok. Va crever. T'entends ? Mais il me voit pas. Comment il sait que je suis là ? Glacier, un novice, mais c'est génial. Hop. Joli. Blessure 1, ça y est. Ce qui est à toi est aussi à moi. J'en ai personne. Hop. Les deux. Sors de là. Ce sera rapide, promis. C'est fini. Là, ils m'ont fait mal, hein. F10. Pourtant, je leur ai fait mal aussi, hein. Tout ce que t'as dans le froc. Ah.
Appelez. Yes, il a eu le légendaire. Mitraillette. Ouais. Je suis aveugle. Comment ça t'es aveugle? Mais par contre si tu pouvais te barrer derrière moi le chien, ce serait cool. Par contre lui il avait un truc sur lui qui semblait sympathique. Oh ouais. Ouh. Faites filer. D'accord. Ok. La musique style Batman je trouve derrière. Encore ? Bah tiens, voilà. Un chargeur complet. Hop. Un coffre. Wouhou ! Maître, oh putain. Je l'ai dans le fion. Le verrou tient bon. Je l'ai dans le fion, je l'ai dans le fion, je l'ai dans le fion. Merde. Un steam pack, un jeu de société. Cachette de capsule. Je l'ai dans le fion, merde. Ah, puis j'ai pas l'habitude, hein. Sans mauvais jeu de mots, je veux dire. Oh, grande boîte à outils. Ça peut être intéressant, par contre. Ah bah, comme ça, c'est clair. Voilà. Joli. Les fences. Je sais pas ce que c'est. À mon avis, on va arriver sur le toit, mais c'est pas comme ça. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on va le faire. Hein. On pourra peut-être en partie s'en barrer parce qu'on sera. Le fusil Gauss. Oh putain. Fusil de Gauss. Alors. Alors. Ça commence à être un petit peu long là. Ça commence à être un petit peu long. Tout comme cet épisode d'ailleurs. Hein. Alors. Ok. Oh, il y avait quand même des choses intéressantes à trouver dessus. Normalement. Bon, c'est toujours ça de prix. Empty chaise. Hop. Rien d'autre? Rien d'autre. Bon, 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 bah écoutez, on va quand même retourner voir pour la quête. Non, 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 placer un marqueur. Non, bah non. Retirer le marqueur, voilà. Hop. Station Oberland, on va aller les voir, on va leur dire, voilà, c'est fini, ce qu'on a fait, on avait à le faire, on l'a fait. Alors. Alors, alors. Elle est pas mal cette arme, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre, si vous êtes morte entre temps, ça va pas le faire. Ah non. Yo! Vous leur avez réglé leur compte à ces pillards? Oh que oui. Je vous ai débarrassé de ces pillards. Vraiment? Eh ouais! C'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. Au fait, on a discuté entre nous et on a décidé de soutenir les milices. C'est bien. Ça vaut la peine de vous donner une deuxième chance. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on s'entraide. Ouais, t'as raison. Bon, 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 bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom pour retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode par mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie tout comme je vous remercie d'être fidèle à la chaîne et à mes vidéos. Encore une fois, merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À demain pour un nouvel épisode de Mad Max. Salut les gens. Et yop.